Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Nobody et aujourd'hui je vous propose ma petite vidéo sur la Japan Expo 2014 qui a eu lieu du 2 au 6 juillet à Villepinte. Comme vous pouvez actuellement le voir sur la vidéo, j'ai pu apercevoir Antoine Daniel de What the Cut. Il y avait aussi la scène League of Legends qui était littéralement submergée par la foule. Il y avait aussi de nombreuses scènes culturelles telles que celle du tir à l'arc ou encore celle des costumes et des musiques traditionnelles japonaises. Je veux faire quelque chose chez Paul. Mais j'ai aussi pu voir Experiment Boy, les clichés de Jigme, Asiatomic, ainsi que le reste de la Whitey Fam. Ou encore Marcus, Link the Sun, et les meilleurs pour la fin, les enculés de l'espace composés de BBX Blue Gamer 3X. J'ai pu les accompagner pendant un long moment et j'ai aussi pu voir BBX à l'œuvre en plein tournage de vidéo. J'enregistre tout en fait. Ah ouais? Ouais. Vous allez maintenant avoir le droit à une interview exclusive des Enculés de l'Espace. T'as une vue sur nous trois? Ouais, sur, enfin, surtout sur vous deux. Parlez bien fort parce que là, il capte avec le micro du... Donc là, t'as une prise audio là-dessus ou pas? C'est quoi? Je crois pas que j'ai pris les yeux. Sinon, je t'aurais prêté mon micro, tu vois. Non, je comprends. Pas de prise audio là-dessus. Non. Bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour. Donc, je voulais vous poser quelques questions par rapport à la Japan Expo. Ouais, bien sûr. Okay.
Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la Japan Expo cette année? Je suis Vivix en fait, c'est moi Vivix. C'est vrai? Japan Expo c'est pas mal, c'est vraiment une ambiance festive, remplie de gens qui s'amusent. Vraiment il y a une ambiance qui est une osmose, qui fait qu'on a envie de faire la fête, de se déshabiller et presque de faire l'amour directement, même le sol, tu vois. C'est vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais des fois j'ai envie d'entrer chez moi, mais après ça va mieux. C'est vrai que c'est très excitant, hein, Japan Expo. Beaucoup de très belles cosplayeuses, très belles personnes, beaucoup de belles rencontres. Tu vois, c'est ça, regarde. C'est parfait. C'est vraiment... c'est la perfection. Ah, c'est ce qu'on demande. La Japan, on y est pour ça, je pense. Hein. Un peu bonne paire de boucles, ça fait toujours plaisir, tu vois. Qui est déjà venu parmi vous à la Japan Expo? Nous, je suis vu déjà une centaine de fois, ouais, peut-être pas. Luc, non? Si, si, moi je suis venu 4 années consécutives. Non, c'est vrai que c'est la première fois que je vais à Marseille, le trajet et tout. Ta première impression? C'est grand, il fait chaud, pas vraiment de choses intéressantes, plus les rencontres, mais pas de stands vraiment intéressants, je pense à un truc. À part les stands de vente et tout, il y avait vraiment un spécial, à part les cosplayers et voir la team. C'est pour ça que je suis là en fait, pour voir les potes. Cette année, la Comic Con a disparu, elle est plus là. J'ai dit que ça fait une vidéo par rapport à ça justement. T'avais dit qu'on sentait pas vraiment le manque. Et en fait, on ressent même pas qu'il n'y a pas la Comic Con. Normalement, il y a un côté Comic Con, et là, je ressens même pas le manque de ce côté Comic Con en fait. Mais moi, je trouve que on sent pas le manque, mais ça fait un petit truc quand même. Enfin, il n'y a plus le côté science-fiction. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, ouais, c'est incroyable. Je m'en branle en fait. En fait, ça me. T'es là pour les cosplays quoi. On le sent pas, tu vois, c'est. On le sent pas. Ouais, il y avait la scène de Chiton. Si, il y avait le petit district web, le petit. Ouais. Petit. Petit. Très petit. On le sent pas non plus. Non, c'est vrai que. Je sais pas. Le côté sci-fi, moi ça me manque pas trop, il y a l'appareil manga pour ça. Même si l'appareil manga c'est... Quel est le côté que vous avez préféré dans cette Japan Expo? Personnellement, j'ai beaucoup aimé les femmes vraiment comme ça, tu vois, c'est vraiment un style. Non, en fait c'était là en fait. Mais et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tu vois, c'est une femme, il faut qu'elle ait vraiment une bonne paire de poitrines. Tu vois, c'est vraiment. On sent pas, ça. On sent pas. Et toi, Luc? C'est pareil, on sent pas? Non, je sais pas. Moi, c'est... Non, mais moi, c'est la Japan en général m'a plu. Là, c'est le premier jour, je vais faire 4 jours. Samedi, je vais être en cosplay. Une des premières fois, j'aurai un vrai cosplay. Si ça va donner, ça va être rigolo. Vous avez été voir les stands du style, les exposants, etc. Alors, personnellement, c'est incroyable. C'est les exposants à Japan Expo. On est sympa. Non, les exposants. Non, c'est toujours les mêmes. Les exposants qui vendent de la nourriture, c'est trop cher. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. C'est à peu près ça. Ouais, non, ouais, c'est ça. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. C'est à peu près ça. Ouais, non, ouais, c'est ça. Ils sont un peu chers. C'est vrai, oui, ah, les prix des... sont. Les vêtements, les canettes. Ils sont même beaucoup dans la consommation hardcore de l'extrême. C'est un phénomène, une quadritude. De l'expansion même de l'argent, tu vois, oui, c'est inexplicable. À partir du moment où la boisson, on peut avoir des boissons pour le prix de 4 euros une canette de coca, je pense que ça reste raisonnable, 4 euros la canette de coca. Mais même un chômeur, tu peux pas, tu vois, si t'es au chômage, tu peux pas. Ouais, si t'es au chômage, à Japan, tu... Même si t'as un travail, tu peux pas, en fait. Même si t'es riche, même quand t'es riche, t'hésites. Ouais, tu vois, j'ai... La canette, 4 euros. Donc c'est vrai qu'à Japan il y a une très très bonne ambiance, mais justement on va reparler des prix, etc. Enfin je vais pas vous retenir plus longtemps après, mais... Parce que
On le sent pas, mais on je le sent. Sens. Mais c'est vrai que les prix sont... Donc oui, je voulais dire, est-ce que, enfin, on voit beaucoup le côté commercial à la Japan Expo. Est-ce que vous pensez, enfin, c'est une bonne chose, mais c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose. On le sent trop. Moi, j'ai l'impression, quand j'achète un truc, que comme si un petit noir de 12 ans me mettait une main dans le cul, tu vois, littéralement. Il le sait, tu le sais, non? Est-ce que tu le sais? Tu le sais ou pas? Absolument. Dommage. Attends, tu vois. On sent le prix de Japan Expo, tu vois. Tu sens, tu vois, la Japan. Tape comme ça. Le problème, c'est... Ah, ça fait partie des... On sent. On sent. On sent. Quand tu payes un truc, ça... Voilà. C'est ça le problème, tu vois. Le problème, c'est la propagande de l'argent à travers les goodies. Regardez-le. Oui, je le sais pas. Là, il est content. Il va rentrer chez lui et dire pourquoi j'ai acheté tout ça, tu vois. Pourquoi j'ai investi dans une épée, dans, on ne sait pas. Genre, même lui, le prix de Japan Expo, il est d'accord avec moi, c'est... Ouais. Oh, bien sûr. Je peux envoyer une dédicace aussi, après. Attends, c'est tout à votre demander. Un peu ? Une dédicace. J'ai ouais, j'ai ce qu'il faut. Merci. Sa tête m'inspire vraiment des choses essentielles de la vie. Ouais, des choses qu'on peut sortir. Non, sérieusement, t'es là demain? Il faut venir demain, parce que... Ah, c'est... Ouais, bien sûr. Tu... Ah oui, bah, mais par contre, tu fais gaffe, t'es déjà bonne question. C'est une bonne. Ah, je suis vraiment... Moi, je suis vraiment aussi, hein. Vraiment... Ouais, je suis très vraiment en ce moment. Ah, il est vraiment... C'est un petit sticker, alors. C'est vraiment... On a déjà eu un, donc je peux pas... Ouais, pour tu vois, vu qu'on est des gens exceptionnels... Je t'en donne un d'abord à toi. Et... Lui, c'est un peu violé, tu vois, dans l'affaire, tu vois. C'est merde. C'est moi qui est venu le voir, et c'est le mec... un peu comme cet homme qui balaye. Pourquoi il le fait? Pourquoi il a... C'est... Mais il a un costard. Tu balais. Ouais, à Dallas. Salut, Oji Kondo. Bon, je vais aller. En tout cas, c'était très bien cette petite interview. Merci à vous de d'avoir accepté. Je conseille Japan Expo à tout le monde au moins une fois dans sa vie, mais une fois. Hein, parce que... Mais pourquoi une fois? Parce qu'en fait, on va être chier tout ça. Subscribe. Partage. Je n'ai pas lâché un like. Alors, lui aussi, il nous aime bien. Ah, ouais. Je vais... Parfait, mais qu'est-ce que... Je suis un peu hystérique. Non, c'est normal, c'est... ça fait toujours ça, en plus je suis toujours planqué, tu vois. Ça t'entend pas, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un qui est sur une table. Je suis toujours... on sait pas où je suis, tu vois. Tiens. Heureusement que je t'ai trouvé. C'est tout le temps, la main comme ça, en fait. Comme à l'église. Torime Interimo ad appare torime Ameno, ameno, la tirei. L'antiremo dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno. Timere, timere, mazzero. T'as pas filmé ça? Si. T'auras une bonne vidéo pour le coup. Bon bah je vais signer. Enfin, au découpage, je ferai un minimum 10 000 vues, hein, c'est le quota. Ça marche plus très bien ce stylo, du coup je perce un peu la mousse. Hein. Tu m'excuseras, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est la famille. On s'en fiche, c'est BDX. Personne ne regarde, ça va? Je suis pas méchant, je... En fait, j'ai vu son regard, il était comme ça, regardez. J'ai vraiment cru que t'allais me suivre carrément jusqu'à ma moto, me crever les couilles, me mettre un coup dans les couilles, tu vois. Bon, je vais retourner bosser un peu parce qu'en fait, j'ai rien mangé de la journée quand même. C'était intéressant, cette expérience. T'es encore en train de filmer en fait, hein? Qu'est-ce qui est cool, là? C'est que j'ai...
Un zouk, ça fait genre...